C'était dans le cadre d'une visite pour échanger sur la coopération entre la République du Burundi et la Banque africaine de développement, faire un peu le suivi de la coopération, des projets en cours, une coopération de bonne qualité, de très bonne qualité entre le Burundi et la Banque africaine de développement. Et nous avons saisi cette opportunité pour saluer le leadership de son Excellence le chef de l'État dans le suivi des programmes de développement d'une manière générale, mais également des programmes financés par les partenaires à travers son implication dans le suivi pour s'assurer que les résultats attendus se matérialisent sur le terrain. Donc c'est vraiment un facteur d'encouragement pour nous, les partenaires. Nous avons aussi relevé sa volonté, et il nous l'a réaffirmé, de mettre le gouvernement au devant dans ce qui concerne la planification du développement. Donc en ce qui concerne tous les secteurs, le président a réaffirmé la volonté d'avoir une planification conjointe entre les partenaires et pour qu'il y ait une meilleure coordination dans le cadre de la mise en œuvre des programmes avec le gouvernement comme étant le leader. Et je crois que c'est une démarche également à saluer. Nous avons évoqué un certain nombre de projets que la Banque africaine de développement finance, notamment le projet de Rumonge-Gitaza, sur lequel son Excellence a demandé à nous assurer de la qualité des routes et de la durabilité des investissements. C'est un sentiment que nous partageons et sur lequel nous allons continuer à travailler avec le gouvernement dans le cadre de tous nos projets, que ce soit les projets de transport, les projets d'énergie. Donc nous allons continuer à travailler très étroitement pour nous assurer d'avoir une bonne durabilité des investissements pour le bénéfice des populations. Et son Excellence a également insisté sur l'importance du renforcement des capacités de la formation professionnelle, notamment dans des secteurs importants comme l'agriculture, mais également le secteur minier et le secteur des technologies de l'information et de la communication. Donc ce sont des secteurs, des volets pour lesquels, qui sont importants pour la mise en œuvre de toutes les politiques de développement. Et là également, son Excellence a insisté sur la nécessité d'avoir une bonne collaboration à cet égard. Donc voilà, c'était vraiment un échange sur la coopération entre notre institution et le gouvernement et quelles sont les perspectives d'accompagnement, notamment autour des secteurs que j'ai évoqués.